Comment se surpasser, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants, à être sereins et éliminer la peur d'échouer. Et je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux, notamment un entretien offert, un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Et avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et pensez à les commenter, les partager pour pouvoir, si ça vous aide, ça peut aussi en aider d'autres. Alors comment est-ce qu'on fait pour se surpasser? C'est une question que l'on m'a posée il y a quelques temps, donc je vais pouvoir y répondre maintenant. Donc parfois, on va finir une compétition, on va se dire « Ah !» Il m'en restait un petit peu sous le coude, j'ai pas tout donné et finalement j'aurais pu faire un petit peu plus. Donc on va voir comment est-ce qu'à la fin d'une compétition on peut finir en ayant tout donné. Donc déjà c'est revenir encore une fois à la base, donc à être, faire, avoir, on est des êtres humains, pas des faire humains, pas des avoir humains. Et ce qui s'est passé des fois c'est qu'il y a des sportifs qui, dès que leur perception vont sur le résultat, eh bien ils se disent quoi? Soit ça va le faire, soit ça va pas le faire, soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup de sportifs ne se surpassent pas à partir du moment que leur perception vont sur leur résultat quand celui-ci va être perdu. Exemple, à l'époque, j'avais eu un judoka qui lui disait « Ah, mais il y a des combats, je ne me surpasse pas et c'est plutôt moi qui perds plutôt que les autres qui gagnent. » Donc, je dis « Ok, il se passe quoi en fait? Quelles sont tes perceptions ?» Pourquoi? Parce que les perceptions entraînent les décisions, entraînent les actions. Donc, s'il y a une action qui est mauvaise, ça veut dire que les perceptions sont erronées. Donc là, il me dit, en fait, quand je mets la main sur les avant-bras de quelqu'un et que je perçois que ses avant-bras sont forts, alors je me dis, c'est mort, je n'ai pas gagné en fait. Et du coup, je donne pas tout et du coup, je perds plutôt que c'est lui qui gagne. Ok, donc quand tes perceptions mettent les mains sur l'autre et que tu perçois que tu vas pas gagner, alors t'arrêtes. C'est ça. Ok, donc à voir, résultat, je l'ai, je l'ai pas. Si je vois que j'ai perdu, ça sert à rien de tout donner. Et donc à chaque fois, je lui demandais, selon toi, gagner est une cause ou un effet? Il me dit, comment ça? Gagner, est-ce que c'est une cause ou un effet? Je dis, c'est une cause. Ok, qu'est-ce qui va générer l'effet que tu augmentes les probabilités de gagner? Il va me dire, si je me donne à fond. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas te donner à fond? Il va dire, si je retrouve le guerrier qui était en moi. Ah, voilà. Ok, donc à partir d'aujourd'hui, à partir du moment que tu mets tes mains sur l'autre et que tu sens qu'il est fort, tu te dis, je suis un guerrier, ok? Enfin même, on l'avait dit un peu plus de familiarité. En gros, il disait, je suis un de guerrier. Et en se disant ça, en fait, il cherchait, peu importe les combats, il cherchait juste à devenir encore plus un guerrier qu'il l'était aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il mettait les mains sur l'autre et qu'il percevait que l'autre était fort, eh bien, il se disait, ouah, c'est top parce que je peux encore plus devenir un guerrier. Et il s'en fichait du résultat, l'avoir ou pas. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui vient devant moi qui est très fort, c'est cool parce que je vais devenir encore plus un guerrier. Et donc, plus les autres sont forts, plus je peux devenir encore plus un guerrier. Et en faisant juste simplement ça, en se centrant sur qui il est en train de devenir, le guerrier qu'il devenait, eh bien derrière, il a pu regagner des grosses compétitions contre des gens contre qui il avait perdu. Parce que quand il voyait que l'autre était fort, il se donnait tout, allez, je deviens encore plus un guerrier. Il a cherché le millimètre supplémentaire pour pouvoir se dépasser soi-même et aller chercher un millimètre de plus. Donc voilà, c'est vraiment important à chaque fois, vos perceptions entraînent vos décisions, entraînent vos actions. Si vos perceptions, c'est le résultat, ça va être soit gagner, soit perdre. Et donc forcément, si ça sur la défaite, vous vous dites, mais à quoi bon tout donner? Alors que si vous dites, quoi qu'il arrive, je vais chercher un millimètre supplémentaire, eh bien vous risquez justement avec vos perceptions, plus le challenge est élevé, plus je peux me dépasser. Et du coup, que le résultat soit présent ou pas, je sais que c'est qu'une question de temps, et puis moi je me dépasse, et le résultat viendra au moment venu. Et voici pour cette vidéo, si ça vous a plu, pensez à mettre un like qui fait toujours plaisir, pensez à commenter aussi les vidéos, à partager. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe où vous verrez le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment est-ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible. Et enfin, vous pouvez regarder dans les commentaires aussi, il y a d'autres cadeaux, notamment il y a aussi ce livre que vous pouvez acquérir qui est « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé », un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers Jeux Olympiques à Tokyo et notamment sur les trois sportifs que l'on a accompagnés.
on a eu 3 médaillés olympiques. Donc allez-y, faites-le parce que cette méthode fonctionne. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao.